l'eau. Donc là, j'ai envie de faire un petit make-up avec rouge à lèvres rouge. Je viens de me dire qu'au pire, je vais faire un French make-up. Donc, de toute façon, je vous mettrai les photos. Mais voilà en fait ce qu'ils disent, ce que le make-up French, donc ce que le make-up français en fait est. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un make-up français. Donc, voici le avant. Donc déjà pour mon fond de teint, j'utilise, ou ma bébé crème, j'utilise la Super Bébé de chez Eborian, ma préférée. Et après j'utilise une Beauty Blender. Je viens de terminer le tome 3 de Hot Stopper. Trop pressée de lire le tome 4. Je vais attendre un petit peu. Je vais peut-être le lire demain. Pas trop envie de lire tous d'un coup parce que j'ai envie de me laisser un peu de temps. Ok, ensuite, correcteur. J'utilise un correcteur de chez Rimmel. C'est le multitask. La teinte, je pourrais pas vous dire. J'ai tellement utilisé qu'on voit plus. Mais je l'aime beaucoup. En plus, il sent super bon. Et je l'aime beaucoup. Il est vraiment une superbe couvrance. Trop fan. Donc, ouais. Je trouve ça quand même bizarre. Je me suis toujours dit que tous les autres pays, ils avaient vraiment genre un thème dans leur make-up et tout. Mais je me suis toujours dit, en France, on a quoi? Enfin, genre j'ai l'impression que en France, on n'a pas de make-up typique français, vous voyez. Genre les filles ici ou les femmes se maquillent vraiment comme elles veulent. Mais bon, apparemment, c'est vrai que le rouge à lèvres rouge, c'est très français. Ok, donc correcteur, c'est bon. Est-ce qu'on met de la poudre? J'ai l'impression que les Françaises mettent beaucoup de poudre. Ils aiment bien ce teint un peu matifié. Je fais jamais mes sourcils comme les autres. Donc en vrai, je sais pas trop comment faire. Mais ce que je vais utiliser, ça va être... Voilà. De chez Benefit. Brow Wax. Parce que je me dis, on va aller faire plus fluffy. Parce qu'ils sont très fluffy. C'est très naturel et tout. Et après, je vais venir utiliser... De chez Essence, le Lash and Brow Gel Mascara. Très liquide ce produit. Je suis pas très fan, mais bon, faut que j'utilise et je l'ai acheté. Et il est très... Ouais, très humide. En attendant de mettre le rouge à lèvres, je vais mettre mon Lip Injection de chez Too Faced. Juste pour les plumper un petit peu. Donc ça, c'est bon. Ensuite, niveau yeux, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de... C'est soit il n'y a rien sur les yeux, donc que par le mascara. Soit il y a vraiment un tout petit peu d'eyeliner. Ouais, il y a un eyeliner en vrai. Bon, on va faire un eyeliner. Pour un petit eyeliner, on est pas mal. Maintenant... Faire la même chose de l'autre côté. Eyeliner, c'est fait. Ok. Je vois qu'au niveau des yeux, il y a un peu de champagne au niveau des... Il y a quand même un peu de marron quand même. Dans le creux des yeux. C'est que j'ai envie de faire trop de marron parce que... Avec le rouge à lèvres, j'ai peur que ça fasse trop. Hein. Je vais peut-être mettre un peu de bronzer. Donc, je vais utiliser mon bronzer de chez Bourjois. Légèrement, vous voyez, comme ça, genre très... Et après, pour le champagne, je vais utiliser soit mon highlighter, soit dans la palette, je vais utiliser ça. C'est pas du champagne, mais bon. Ça va pas changer. Donc je vais utiliser un tout petit peu de ça. On va venir faire donc le mascara, ça c'est très simple. Le mascara, j'ai l'impression que c'est pas trop wing, c'est pas trop hop, c'est vraiment genre à peine ils ont quoi. J'ai commencé Fellow Travelers, je suis très contente. Je suis très contente, ouais. Trop contente d'avoir trouvé cette série. En plus, je suis trop contente que c'est une série actuelle, donc je vais pouvoir regarder les épisodes tout le temps. Ça c'est cool. Donc épisode, je crois que c'est tous les vendredis sur Paramount Plus. Donc écoutez, blush, je vais utiliser ça.
c'est le Juice Pout Lip and Cheek Tint, donc teinte pour les lèvres et les joues, de chez Beauty Crop. Très rouge. Donc écoutez, on va d'abord en mettre sur le bas de ma main, et puis parce que je le connais celui-là. Donc on va y aller petit par petit. Je veux pas trop en mettre. Ils en ont quand même sur le nez, je vois. Je sais pas si j'aime. Attendez, si je prenais celle-là, peut-être. Ce serait peut-être mieux. J'utilise le Charlotte Tilbury en deep. Medium deep, donc. Je vais quand même rajouter un petit peu de ce blush-là de chez Kiko. Encore une fois, c'est un blush qui est très, très pigmenté. Donc, vous voyez un petit peu. J'espère qu'il est encore bon parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Hein. Depuis 2018. Je sens que ça manque un peu quand même de marron quand même sur les yeux. Et l'eyeliner, est-ce qu'il est assez... Attendez, je vais quand même essayer de le faire plus épais. Bon, est-ce qu'on est français là? Il manque mon béret en vrai. Oui, oui, baguette. Il manque mon béret. Il faut que j'arrive à me retrouver mon béret. Je l'ai trouvé. Comment on met un béret déjà? Je crois que c'est comme ça. Je sais pas si c'est comme ça. J'entends pas. Oui, oui, baguette. Oui, oui, baguette. Non, c'est bizarre. Eww, what the fuck. Attendez, on recommence. Comment on met un béret? Donc, en vrai, depuis le début, je le mets mal. Genre, c'est comme ça que ça se met un béret. Oh, c'est comme ça que ça se met un béret. Depuis le début. Oui, oui, baguette. Là, ça fait français, là. Là, ça fait très français. Oui, 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 français. Je sais même plus parler français. Oui, oui, baguette. Ça me manque la frange, mais non, pas tout de suite. Un jour, je recouperai ma frange, mais pas tout de suite. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment une vidéo très très simple. J'aime bien faire des gâteries de Woodmy, des petits make-up looks comme ça, inspirés de Pinterest. Mais en tout cas, ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, n'oubliez pas de vous souscrire, de vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos. Encore une fois, toutes mes vidéos sortent le mercredi à 12h30. Donc voilà, je vais garder cet horaire parce que j'aime bien. C'est en plein milieu de semaine. C'est un jour où la plupart du temps, si vous êtes en école ou autre, si vous travaillez, bah, soit vous travaillez pas, soit vous êtes pas en école, soit vous êtes en pause déj vu qu'il est 12h30. Donc je me dis que c'est parfait pour tout le monde. Et voilà. Mouah. Love you so much.